Raïm est mort. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais dire à Jade? Il faut que je retourne à la tour. Que je trouve une solution. Bonjour tout le monde, c'est Setfire et on se retrouve sur Dying Light, la partie 10. Donc oui, en effet, Raïm s'est fait buter. Mais en un dernier acte de courage, il nous a donné la bombe qui nous a permis de massacrer tout un clan de zombies. Mais là où il s'est fait niquer, dans ce petit wagon là exactement. Je vous avouerai, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas rejoué. Du coup on va aller à la tour et on va essayer de cacher ce qui s'est passé à Jade. C'est pas terrible je pense. D'accord. Ça fait du bien de rejouer le jeu. Totalement gratuit ce que je fais. Ah, je crois que je me fais poursuivre. C'est un problème. Oh, le bâtard. Vas-y, reste sympa. Papa. Voilà. Oh, putain. Oh, le screamer, dégage. Putain, j'ai pas vu monter ce bâtard. Oh. Screamer de merde, il pourrait s'annoncer au moins quand il monte. Coucou. Breaken. Il est mort comment? J'ai dû le tuer. C'était trop tard, il avait basculé. J'avais pas le choix, je te jure. Eh, c'était mon ami aussi. Mon meilleur ami ici. Je sais, je sais. Il me rendait dingue parfois, mais... Mais je l'aimais comme un frère. Un autre ami qui nous quitte. Un autre frère qui nous quitte. C'est moi. C'est moi qui lui ai confié les explosifs. Bon sang, si je l'avais pas laissé là, il serait peut-être encore en vie. Oh merde. Oh non. Jade! Oh la merde! Jade. Attends! Jade! Merde! C'est bon. Laisse-lui. Laisse-lui un peu de temps. Oh. Zéré! Merde! Descends! Empêche-les de l'enlever! Qui? C'est quoi le bordel? Ah bah t'es marrant le brigateur de l'année, mais c'est pas ma faute ça. Oh quand même. Ah. Et j'ai pas de kit de soin en plus. Non mais je suis occupé là. Mais qui on a affaire? Pourquoi c'est des hommes de Rice? Putain! On a déjà pas sur lui! Tu parles de bâtard! Ah, j'ai mon bouclier là! De quoi on charge le bouclier? Merci! Mec, c'est des merdes! Ok, d'accord. Allez! Oh, 1600, mais quel bâtard! Mais quelle bande de gros bâtards! Allez! On est chaud, on est chaud! Je vais rien réparer parce que j'ai pas de pièces en fait. C'est merde. Il était temps. Ben derrière plus, il y a un mec qui a une arme. Les secours, quel bordel. Ils sont combien ces mecs, sérieux? Vache, mais c'est quoi ça? Stop! On va faire des trucs là, parce que franchement,
Je peux rien faire. Super, mais putain, mais c'est quoi ces conneries? Si je vais faire du shuriken, des shuriken explosifs. Sur bouclier, con. Voilà. Putain, j'ai la masse de shuriken explosif en fait, j'avais pas vu. Voilà, normalement, là, on est paré. Ouais, c'est que les effets de fumée, mais ils sont... lâchés. En fait, de rester dans la flotte, c'est cool. Il y a un rapace dans le truc. Qu'est-ce que je peux me balancer qui me sert à rien là? Putain, appel croque-port, dégage. Démonter, oui. Ok, petit couteau de chasse, on s'en branle. Barre-levier, ouais. Ça dégage. Attends, il y avait des munitions. J'ai vu des munitions quelque part, non? Ok, c'est pas grave. Attends, j'ai que 12 balles, non, ça va pas le faire. Aïe. Petit de soin, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Pioche primitive, on s'en fout. Ok. Par contre, j'imagine que le bruit attire vachement. Oh, y'a plus personne. Ils ont capturé Zéré et l'ont embarqué. D'accord. Ok, bon. Ils ont capturé Zéré, ils l'ont embarqué, d'accord. Mais on fait quoi maintenant? Merde, Bricken! Zéré a été kidnappé! Sa caravane est en feu! Et merde! Tu vois ce qui se passe quand on se frotte à Rice? Vous n'auriez jamais dû aller à l'école! On a repéré un important groupe de bandits qui se dirigeait vers la garnison de Rice. C'est sûrement là qu'ils ont emmené Zéré. Va le chercher et ramène-le-moi en vie. C'est compris? Ouais. Peut-être d'abord on va dormir, hein, parce que... C'est pas tout ça, mais les rapaces, non merci. Un pouce un jour. Bon, c'était pas pareil.
Lui, c'était un berger allemand qui l'avait mordu. Putain, on entend ces trucs, sérieux. Alors, les compétences de survivance, c'est quoi ça? Main à droite, fouille les cadavres beaucoup plus vite, ouais. Cache, vous prenez à utiliser les cadavres pour ne pas vous faire pas désinfecter. On va voir, hein. Je sais pas ce que c'est là. Ok. Ensuite, niveau de puissance, qu'est-ce que je peux faire de plus? Concentration, frapper le même ennemi consécutivement, augmenter les dégâts occasionnés à chaque coup. Utile contre les malabars, les démolisseurs et les autres ennemis spéciaux, ouais. Moulin va en frapper plusieurs fois plusieurs ennemis avec une attaque dévastatrice à 360 degrés. Maintenez le bouton, ok. Puis relâchez. Ok. Vitesse 2, piétinement. Ah, ça c'est bien ça. J'aimais bien dans Dead Island, c'était cool. Ok. Bon, en pleine journée, ça, je pense que ça ira mieux, il y aura moins de problèmes. Notre ange géant, on s'en branle. Ok. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Baseball fatal. Mais j'en ai déjà une. Kit de soins, c'est mieux. Ok. Taser 1. Ouais, c'est les couteaux. Quelqu'un aurait attaqué l'avant-poste Rice à l'école. Ok, bon, maintenant on a une arme, on a un pampan, mais le problème c'est que j'imagine que ça va être la merde pour l'utiliser, et que de toute façon, dès qu'on va l'utiliser, il y aura plein de gens qui nous feront chier. Donc, je propose qu'on reste avec nos armes. Fais vite, Crane, il faut qu'on récupère. J'en ai pas fini avec toi. On s'en branle, dégagez. En fait, ils l'ont foutu dans le bâtiment de Rice. Non, je suis pas sûr. Bracken, la garnison est fermée. Tout est condamné. Je vais avoir du mal à entrer. Trouve une autre issue, c'est tout. Par l'arrière, peut-être. Mais fais gaffe. Si tu te fais prendre, tu vas passer un sale quart d'heure. De l'autre côté, j'ai l'impression. Ok. J'ai trouvé une entrée. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir. J'y vais. Reste vigilant, surtout. Bonne chance. Putain, ils ont tous des armes. J'ai l'impression d'être dans Die Hard, c'est chaud.
quelqu'un? Non, y'a personne. C'est une roue. Non, personne n'a rien vu. Ah merde, je crois qu'il m'en... Allez-vous faire démonter par les zombies? C'est que je suis bon tireur. Aïe, tu vas où? C'est pas terminé. Bouge pas, bouge pas. Merci. Je vais te tuer. C'est tout ce que t'as? J'ai fini ta mort. C'est tout ce que t'as? Ah là, c'est là. Putain. Ici Crane. J'aurais besoin de l'assistance du GRE. Maintenant. Pas de bol, agent Crane. Vous êtes au ministère de la Défense. Hein? Il se passe quoi? Où est le GRE? Le groupe de ravitaillement et d'entraide est passé au second plan. C'est nous qui dirigeons à présent et Aran est devenue zone cible code 1. Attendez un peu là, vous pouvez pas raser cette zone! Il y a des centaines d'innocents ici! Peut-être même des milliers! Aucune importance, c'est pour le bien de milliards de personnes. Vous devez bien comprendre ça. Quelle bande d'enculés! Il y a un scientifique ici, un type du nom de Zéré. Il travaille sur un vaccin et il est près du but, j'ai vu ses notes. Si vous rasez la ville... Je comprends. Je ne vois pas trop comment un scientifique tout seul dans une ville ravagée pourrait trouver un vaccin et... Bon... Vous avez 48 heures. Vous êtes chaud. Ok. Merde, c'est cassé. J'y arriverai peut-être en forçant. On est à l'intérieur, ça y est. Il y a peu de chance, ils se seront tous bourrés la gueule. Ah merde, mec. Rien non plus, j'avance tout droit. Mourir pour sauver un vieillard desséché. Celui qui bossait sur un vaccin pour le virus. Ayo au micro. Mettez-vous à l'abri. Trouvez un coin tranquille et passez-y la nuit. Faites gaffe, et on se retrouve demain. Putain! Non, je l'ai pas vu. Bricken, j'ai pas vu Zéré à l'intérieur. Ça a l'air vide. Y'a un sous-sol. C'est peut-être là qu'il est. Ah oh, putain, t'es sérieux? Putain, c'est Splinter Cell, les gars. Et Rice, c'est peine perdue. Il est fou allié. Fou ou pas? Tout ce que je veux, c'est qu'il met à la bonne. Là, ça risque d'être un peu chaud. C'est très tendu actuellement.
pas. Oui, il m'a vu. Non mais, change d'âme, prends le flingue, déprends le flingue, t'es sérieux toi? Aïe, prends le flingue, le flingue. Parce qu'il voulait pas prendre le flingue. C'est chaud quand même. Hein. Ma molette de souris, putain. Ma molette de souris de merde. Fight, et on se les fait. Hé, hey, regardez, par là. Voilà. Mais par contre, il y a tout le monde qui se ramène. Hein. Là, j'aime pas du tout quand il dit ça, comme ça. C'est pas un, il reste 10 millions. Laissez-le mourir. J'ai plus de balles. Qui c'est? Qui va là? Du calme, c'est moi. Oh, Crane, ouf. J'ai un truc important à te dire. Je vais mourir. Mais mes notes ne doivent pas disparaître avec moi. Vous n'allez pas mourir, Doc. Mais chut, il faut qu'on file. Et s'il vous plaît, parlez moins fort. Ok. Juste une chose. Ah, putain, il faut que le docteur Camden récupère mes notes. C'est pour ça que j'ai donné les paquets à Jade. Je sais que c'était toi qui devais les livrer, mais je l'avais sous la main, alors... Doc ? This is fucking shit. Tiens, tiens. Notre cher docteur, notre bon docteur décide enfin de parler. Retrouve le scorpion, à tout prix. Avec plaisir. Et ces deux-là, on en fait quoi? Vous la trouverez jamais. Jamais. Et je dirai rien. Ouais, tu veux crever, d'accord? Rien, plus. Jamais. Pour l'instant, je veux juste vous empêcher de vous enfuir tous les deux. Espèce de sadique! Un homme de son âge! Soignez le docteur d'urgence. Et je t'écraigne dans l'arène. Oh la merde! Allez, debout! Oh merde! De merde! Tu es un véritable serpent qui s'infiltre, Crane, dans la cité des menteurs, le roi des mensonges. Qu'est-ce que tu racontes? Réponds, enfoiré! Vas-y, perds ton sang-froid! Mets-toi en colère, je t'en prie! Si je... Pas mal. Mec, il est chaud. Dégagez les corps. Laissez Crane. Entendu. Peut-être me foutre face à des zombies, en fait, peut-être. Peut-être face à des zombies ou alors à ces mecs, j'en sais rien. En zone sombre. Ah oui, c'est ça en fait. Ok. Il suffit
suffit juste que j'ai foutu par terre, parce qu'après je peux les achever par terre. À moins qu'il y ait des munitions, mais des trucs peut-être, je sais pas. Attends, faut les éloigner parce que. Ah, les choses. Ok. On est chaud. Parler de tes exploits. Dommage, tu ne seras plus là. Ça y est, tu prends ton destin en main, c'est ça? C'est un peu tard, malheureusement. Pas mal pour un homme mort. Ta gueule. Il faut quoi là maintenant? Récupérer la machette. Le conteneur avec le cadeau, tu sais. Ah, ça ce n'est pas tombé. Oh putain. Ok. Non, j'en sais. Viens là. T'es con ou quoi? Ah bah d'accord, parce que ça décrit une pompe de gaz. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, je sais pas ce qu'il fout, mais il est un peu bizarre ce mec. Je suis là. Voilà, c'était content.
Je sais pas si je fais quelque chose en fait. Ah oui, c'est quelque chose. Allez! Adieu! Oh! Je te meurs, mon gars! C'est chaud, bien chaud! Oh! Vous êtes con quand même, les gars! Tu as bien diverti mes hommes. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Tu ne fais que prolonger l'inévitable. Mais vas-y, défonce-toi. On ne pourra pas dire que j'ai été dur avec toi. Qu'est-ce que je fais? Attends, j'ai vu. J'ai vu que je pouvais prendre un inhibiteur. D'accord, ok. Il est où? Tes exploits ne m'étonnent plus, Crane. Le GRE choisit bien ses agents. Oh, merde. Abaissez la plateforme. Il a donné le docteur Zéré à la protéger, j'imagine. Et jette ton arme. Le chaos, Crane. Le chaos est la clé. Celui qui ne le comprend pas est un idiot. Je vais t'expliquer. Bassam, tu me reçois ? 5 sur 5. Publie le fichier. À vos ordres. Et c'est fait, c'est parti. T'es fou, allié ! Putain, tu viens de condamner des milliers d'innocents ! Avec ton fichu chaos ! Tu ne sais pas ce qu'il y avait dans ce fichier. Le GRE voulait transformer le virus en arme chimique. Ils veulent s'en mettre plein les poches. C'est tout ce qui les intéresse. Et toi, tu es devenu leur macaque apprivoisé. C'est pitoyable. Allez, tuez-le. Bâtard. Oh, les fous. Allez, Doc. Venez, on rentre. Crane, sauve ces gens. Ils ne méritent pas ça. Quoi? Donne-moi cette torche. Qu'est-ce que vous attendez? Tirez! Fire! Adieu, Doc. Bougez-vous, les gars! Les bâtards! Tire dessus! Courir! C'est le seul objectif. Ok, je vois la suite. Ah, je suis pas... Aïe! J'ai failli me faire avoir. Ouais, c'est ça. Merde! J'ai pas que je vais acquitter dessous. Ben, c'est intense, les gars! Fais chier! Oh.
Par terre, merci. Par dehors. On peut peut-être sortir par la sortie. C'est pas con. Après tout. J'ai trouvé un moyen de sortir de l'arène, et il faut que je retourne voir Brecken à présent. Mais Zéré, il est mort. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il m'a dit qu'il avait réussi à donner ses notes à Jade avant que Raïs le kidnappe. Il reste peut-être un espoir. Oh, mais... j'en plus mes jambes. Mais t'arrives quoi? Mais sérieux? Il y a pas d'antisine, ce con. Deux bombes. Merci, compétence. J'ai eu de survivre. Mais si je perds des points, un... Ah, c'est pas mal ça. Allez, vas-y, on est chaud. D'accord, en fait, on est pas du tout chez Rice. On va basculer. Faut vous dépêcher de sortir d'ici. Sinon, on va basculer. Oserais-je vous dire qu'on va faire ça dans le prochain épisode, hein? Allez, à la prochaine tout le monde. Salut!